Bonjour. Bonjour la reine Kessler. Bonjour la reine Toutine. Bonjour à tout le monde. Ne dites pas que je n'ai pas prononcé vos noms. Bonjour la reine Brigitte. Bonjour la reine Karine. Moi, j'ai regardé mon teint ce matin. C'est comme si j'avais mis le Jansan. Bonjour la reine Nikita. J'ai fait un tour. Je ne vais pas dire quoi aux enfers, mais j'ai fait un tour. Je reviens de loin. Ok. Merci pour les messages des gens qui sont connectés à moi et qui m'ont envoyé des messages pour dire comment tu vas. Je me sentais pas bien. Ok. Je ne sais pas pourquoi j'aime pas mentir, j'aime pas prétendre. Je me sentais pas bien. Bonjour la reine Louisiane. Merci. J'ai un nouveau coiffeur. Franchement, il a plu à Douala hier. Donc, je suis arrivée. Il m'a coiffée. Après, la pluie est tombée, donc du coup, j'ai passé 2 jours sans sortir de la maison. Et David Akono, comment tu vas? Je t'avais dit que j'allais t'appeler. J'avais donné quel nom là? Je t'ai donné un nom africain, un nom bamileke là. Bon, j'ai fait 2 jours, je me sentais pas bien. Et j'étais censée venir à Yaoundé. Donc, ceux qui m'ont appelé hier pour savoir si j'étais là, je me suis excusée. La reine Eyoum, je t'ai jamais dit bonjour. Hein. C'est bien ça. C'est là que j'ai vu que beaucoup d'entre vous, je compte vraiment pour vous. C'est-à-dire. Vous attendez vraiment ce que j'ai à dire pour ça vous permet d'évoluer, ça vous permet de changer. Et bien sûr, j'ai pris ça vraiment pleinement sur moi comme mission de vous transmettre ce que les ancêtres me donnent comme message. Ok. Donc, je remercie mes employés aussi, parce que j'ai une équipe formidable. Malgré le fait que je n'étais pas en santé, on n'avait presque pas senti. Parce que les appels et tout ça, ils répondaient aux messages. Donc, pour les commandes, si vous avez fait une commande et puis on n'a pas encore répondu, écrivez à nouveau. OK? Si vous avez pris un rendez-vous. Énergétiquement, depuis 2 jours, je ne pouvais pas consulter quelqu'un. Donc, je ne pouvais pas consulter, même vraiment pas. Voilà. Donc, maintenant que c'est dit, on peut commencer. Quel est le message que j'ai? Ok? Je demande l'assistance des ancêtres. Je demande la force du Saint-Esprit. Je demande aussi les paroles appropriées pour pouvoir vous guider, pour pouvoir vous parler. Oui. Ton téléphone. Mais appelle-toi alors.
Donc, je reçois les paroles appropriées par la foi, au nom de Jésus-Christ. Ok. Je voudrais que vous commenciez à croire que vous êtes spécial. Vous entendez? Commencez à croire que vous êtes vraiment spécial. Je sais que c'est difficile parce qu'on te dit ouais, non, je vais déjà bien, je suis déjà guéri. Vous comprenez, je suis à guéri. Parce que moi là, même dans la maladie, je disais que je suis guéri. Quand quelqu'un venait me disait que ça va pas, qu'est-ce qu'il y a, tu, j'ai dit que je vais bien. C'est quand il part que je fais ah. Vous devez croire que vous êtes spécial. Vous voyez, quand vous regardez le film, il y avait Superman. Vous êtes Superman. Ah non, ça veut dire qu'il y a 8 milliards de Superman. Non. Super, ton témoignage de la reine Juliette. Écoutez, bonjour la reine Malise. Vous devez. Tu vois, quand tu regardais. Cherchez votre film préféré de super-héros. Iron Man, Catwoman. Peu importe ce que vous allez choisir comme témoignage, comme truc là. Bonjour le roi Feuillot. Vous êtes le Superman de votre famille. De tous les super-héros, j'aime beaucoup Batman parce que Batman, c'est un homme ordinaire, comme tout le monde. Il n'a pas les pouvoirs dans son corps. Mais il a l'âme. Et son âme le rend spécial. Son âme lui achète tous les gadgets. Je suis vraiment... J'ai toujours su que mes pouvoirs allaient toujours quelque chose à voir avec, avec l'argent. Donc, on met les... Après Batman, j'aime Iron Man. Parce que Iron Man n'a pas de pouvoir spéciaux, mais il a l'argent. Avec son argent, il fait les costumes. Et ses costumes le mettent au même rang que d'autres personnes qui peuvent se transformer. Oui. Vous voyez, dans votre famille, comme tout le monde se voit toujours comme des pauvres là. Vous êtes le Superman de votre famille. Donc les malédictions là sont brisées. Donc vous avez, voyez un peu comme si votre famille était dans une coquille. Personne n'avait jamais osé sortir de la coquille. Toi tu es venu, tu as cassé. Tu as percé le trou, tu es sorti. Il s'agit de vie ou de mort, hein. Là, c'est question de vie ou de mort, je vous parle. Vraiment, laissez comme ça. Mon teint, là, ça déjà tout le monde. Mon teint, déjà aujourd'hui jusqu'à. Moi-même, quand il regarde comme ça, là, je tombe amoureuse de moi-même. Mince. Vous devez déclarer. Donc, écrivez là, je suis spéciale. Je suis Superman de ma famille. Écrivez ça. C'est quelque chose que vous devez... Tu dois souvent rester dans la nuit dans ton lit comme ça. Ton ADN se transforme. Yann Farid. Dieu est en toi. Si tu te sépares de Dieu, tu es en train de te tromper toi-même. Le truc, c'est que la religion vous fait croire que Dieu, Jésus sont dehors. Quand Jésus marchait sur la terre, il disait toujours que le Père est en moi. Le Père et moi, on ne fait qu'un.
Donc, je vais continuer, je vais te laisser écrire ce que tu veux écrire. Tu as compris? Voilà. Pour moi, ma vie a commencé à se transformer, à changer. Et ça, je vous parle du jour au jour. Ma vie a commencé à se transformer quand j'ai osé croire. Une petite femme comme moi. Avec tous mes défauts là, donc tous vos défauts que vous connaissez là. Je sais que vous connaissez vos défauts. Oh, tu as les pieds comme ça. Oh, ton ventre a les bourrelets ici. Oh, ouais. Vous connaissez vos défauts, je connais les miens, non? Avec tous les défauts que vous avez là. Oui. Superman ou Superwoman ne manque jamais d'argent. Superman ou Superwoman a toujours la solution. Rien ne te bloque jamais. Eurydice Aurès, tu dis qu'on l'aide tous. Hein? Va dire, va, marche dans la rue, tu dis à quelqu'un qu'il est Superman. Il va te dire que tu parles même de quoi? Peut-être tu penses que c'est pour tout le monde. La fête, si c'est pas pour tout le monde, hein? Enough for everybody. C'est pour ça que vous voyez seulement 180 personnes qui me suivent. Sinon, j'aurais 8 milliards de personnes qui seraient connectées en train de dire, c'est vrai. Oui. Le truc, c'est que le monde vous fait croire que on va vous rabaisser à 8 milliards de personnes. Tu n'es que 1 sur 8 milliards. C'est pour ça que quand vous voyez dans la Bible dit qu'il y a les 144 000, les choisis. Ça veut dire que même si sur la terre il y a 15 milliards de personnes demain, tu fais partie d'une élite, d'une classe spéciale, une catégorie à part. Paul l'a dit. A chosen generation. Et chaud, donc, on prend tout le monde, on te met à part. Tu veux que moi, je ne peux pas me mettre et dire que oui, on est tous comme ça. Je souhaite dire à tout le monde, non, jamais. I'm sorry, nope. Non. Je ne suis pas comme tout le monde. Parce que quand tu dis comme ça, ta mère dit, tu es mon enfant, non? C'est moi qui t'ai accouché. Tu veux comme ça dire que tu es spécial par rapport à tous tes 7 frères. Oui, maman, je suis spécial par rapport à mes 7 frères. Oui. C'est pour ça que vos parents, il y a certains d'entre vous que vos pères et vos mères vous détestent. Ils vous détestent amèrement. Ils ne vous comprennent pas. Tu ne comprends pas pourquoi ta mère ne te comprend pas. Tu fais tout. Tes frères se mettent ensemble. Ils complotent contre toi. Tu dis, mais attendez un peu. J'achète telle chose, j'envoie pour qu'on puisse pour que notre famille sorte de la pauvreté. Vous complotez contre moi. Parce qu'ils l'ont toujours senti. Donc quand tu étais petit, tu disais toujours que je ne serais jamais pauvre. Tu disais toujours que. Donc, et c'est ça les énervait. Quand Joseph parlait. Joseph restait au milieu de 11 personnes. Il dit que je suis le choisi. Que j'ai rêvé que vous tous là, vous étiez en train de vous agenouiller devant moi. Hein? Tu veux qu'on dit que tu es qui? Hein? Moi, hein? Tu es le 11e frère. Moi, non, 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 non. En là, pourtant, là, j'étais où? Dans le trou, non? Tant que ça ne clique pas dans ta tête. Parce que ta famille, ce n'est pas ce que tu as. Qu'on te donne à la naissance. C'est ce que tu choisis. Et c'est une décision. Pour choisir ta famille, tu dois d'abord devenir. Et votre problème, c'est que vous n'êtes pas encore devenu. Vous laissez encore les autres vous convaincre de qui vous êtes. Et il y en a parmi vous, il y a encore la religion qui est en train de... Ça, il y a un combat dans votre tête avec la religion. Ah, mon pasteur m'avait dit qu'on ne doit pas dire qu'on est Dieu. Ah,
On croit qu'on est qui? Oh, tu veux défier Jésus? Jean 14, verset 12. Jésus a dit que celui qui croit en moi, les choses que je fais, il va faire plus que moi. Va dans la Bible, tout ce que tu vois, Jésus a fait. Ah, Jésus, donc si tu as fait l'autre, ça veut dire qu'il peut faire plus. Hein. Tu as marché sur l'eau, ça veut dire qu'il peut voler. Hein. Dans vos rêves, vous volez, non? Certains parmi vous, vous devez être dans la politique. Hein. Vous avez peur. On vous a dit, hey, les gens dans notre famille ne font pas la politique. Hein. On va te tuer. Tu as toujours su que tu seras député ou ministre ou président de la République dans le pays où tu es. Quelque chose en toi t'a toujours dit. Tu n'oses même pas dire à quelqu'un. Tu attends que ce soit les gens de ta famille qui te disent que pourquoi tu n'essaies pas la politique? Écoutez, si toi-même tu te convaincs de qui tu es, il n'y a que le monde qui va s'ouvrir, comme la mer rouge va s'ouvrir comme ça. Que pardon, laissez-la, elle passe. Elle croit qu'elle est spéciale. Ok. Elle est spéciale. Tu vas d'abord devenir. Quand tu deviens, maintenant tu vois ta famille va venir à toi et tu vas les choisir. Et pour devenir, il y a les choses que vous devez arrêter. Quand tu arrives en France là-bas, Dieu t'a dit que tu vas aller à l'Élysée. Que tu seras ministre de quelque chose. Tu as encore ta famille. Ah, tu crois que quoi? Regarde-toi, non, tout ce que tu as traversé là. Tu crois qu'on peut prendre une femme noire, on la met là-bas, une femme métisse, une femme de, qui n'est même pas française d'origine. Tu crois que tu peux faire quoi? Non, ils sont trop racistes ici, hein, ils sont racistes. Voilà ton blocage. Voilà ton blocage. Vous voulez que je vous parle de l'histoire de Joseph? C'est parce que le Saint-Esprit me met beaucoup ça à cœur. C'est comme s'il y en a parmi vous, Dieu vous a mis à cœur d'être peut-être député ou bien maire, je ne sais pas trop. Mais vous avez beaucoup, vos blocages mentaux. Joseph a parlé à ses frères. Il a ouvert sa bouche, il a parlé trop tôt. On l'a pris, on l'a mis dans la fosse, on l'a vendu en Égypte. Mais Joseph était guidé par l'Esprit. Il arrive dans la maison de Potiphar, il travaille tellement bien. Potiphar lui a dit, tu sais quoi, faut devenir, j'étais moi au-dessus de toute ma maison, sauf ma femme. Mais comme tout concourt toujours pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Elle dit, viens mentir ici là. Viens mentir, c'est pour ça que je vous ai dit les choisir, je vous ai dit que nous là, notre argent, on le fait par la vérité. On paye nos impôts. L'impôt n'est que le pourcentage. Quand tu payes ta dîme, tu n'as pas de difficulté à payer tes impôts. Tu vas avoir plus d'argent dans ta poche. Tu gagnes seulement plus, c'est tout. Si l'État te prend 5%, 15%, de toutes les façons, 10% partent déjà à Dieu. Je crois que tu peux vivre avec 50%. Tu as besoin de plus d'argent, gagne plus d'argent. Et chez les choisis, le choisi fait toujours ses choses dans la vérité. Et ça devient une force. Ça devient une force. Tu ne regardes pas ton menti. Quand tu rencontres un homme qui ne te plaît pas, tu dis que, gars, tu sais quoi? Anodé. Je ne te veux pas. Tu rencontres quelqu'un, tu dis que le premier jour, tu dis que tu veux quoi? Il te plaît, on fait comment? Tu n'es pas là pour faire ça là. Il arrive donc en prison. Il a refusé le deal que la femme-là voulait faire avec lui. Viens mentir ici. Viens prendre les pieds à côté. Viens faire comme ça là. Viens manipuler. Viens faire comme nous ici là, non? Il quitte de là. On l'envoie dans un trou. La prison. C'est donc continuer à se développer. Tu es arrivé au centre fermé. Là, tu n'as pas de papier. Tu ne sais pas que même là-bas dedans, tu as découvert que, oh, je connais faire les tresses. Oh, je ne savais pas que je connais faire ça.
Les 7 ans que tu as fait sans papier là, ça t'a forgé, tu ne sais même pas. Le temps que tu as fait, tu te levais à 5 heures pour aller. Tu partais sous le froid. Tu as vu comment monter un business. Parce que tu travailles pour quelqu'un qui te prenait dans le noir. Tu as vu comment gérer. Tu sais, il y a le business qui est. C'est dans le manque de papier que tu sais que ça existe même. Tu ne connaissais pas qu'on se faisait l'argent de cette façon là. Tu as découvert. Et tu as toujours gardé tes dons. Écoutez, quand Jésus a dit que si tu ne connais pas prendre soin de pour quelqu'un d'autre, qui va te donner ta part? Ce n'était pas le mensonge. Tu te gères parce que ton patron pouvait aller se coucher, il dort. Il te laisse son entreprise, tu gères. Tu ne voles pas son argent. Tu avais un homme comme ça là. Tu t'occupes de lui, tu fais tout. Tu le conseilles, tu l'aides même pour ses devoirs. Il part, il obtient la licence. C'est toi qui as composé, même c'est toi qui as fait tous ces assignments, c'est toi qui as fait. Dans la licence en psychologie qu'il a ou bien en nurse qu'il a, c'est toi qui as écrit, c'est tout. Il a eu son diplôme, il t'a laissé, non? Comme il travaille maintenant, il t'a laissé, non? Qui était l'échelle pour que l'homme là arrive là où il est? Tu oublies que c'est toi l'échelle. Joseph arrive en prison. Il continue ses dons, hein? On dit que mais tu es trop bon. Maintenant, tu vas devenir le maître de tous les prisonniers ici. Supervise et tu gères bien. Pour qu'il y ait la gestion, il y a l'honnêteté. Sûrement, il faisait même prospérer le business. L'onction de prospérité, hein, on te met n'importe où. La chose marche. Voilà les choisis. Vous devez vous connaître. Vous devez vous connaître. Arrêtez de faire quoi? Je suis comme tout le monde. Tu es comme tout le monde quoi? Tu vois, c'est tout le monde qui arrive quelque part. Tu entres dans un magasin et que les clients viennent. Jusqu'on n'arrive même plus à te servir. Tu es arrivé, la femme dormait. Depuis le matin, elle dormait. Dès que tu entres 10 minutes plus tard, 20 clients sont dans le magasin. Jusqu'à te dépose à côté, tu dis que ouais, ma soeur, attends un peu. La bénédiction est. C'est parce que Dieu voulait que tu te rendes compte que tu es la bénédiction. Joseph, partout où Joseph passait, partout où il passait, ça prospérait. Je vais passer mon temps là direct à vous convaincre. Après, vous êtes venu m'insulter. Cela, vous ne connaissez pas qui vous êtes. Tu arrives dans la maison d'un bailleur, tu arranges sa maison. C'est ça l'onction de prospérité. Tout ce que tu touches qui est gâté, tu arranges. Et tu n'arranges pas parce que tu veux qu'on te... Non, le bailleur, il va me... Non, non. C'est dans toi. C'est dans ton ADN. C'est dans toi. On tape comme ça, là, on regarde. On va voir prospérité va s'écrire. On coupe comme ça, là, le sang coule. Le sang, là, va tomber, ça va écrire prospérité sur le sol. Quand j'ai compris ça, quelqu'un vient prendre mon argent, je le regarde. Je dis que si tu m'as pris 2 millions, ça veut dire que je sais que dans les jours qui arrivent, je vais avoir 4 millions. Je vous dis. Tu viens, tu me prends 50 000. Je suis sûr que dans une heure, je vais avoir 55 000 ou 60 000. Tu es comme un arbre qui se régénère tout seul. Vous devez écouter bien. Si vous ne comprenez pas qui vous êtes, on va tout vous menacer. Comme un arbre. Tu vois souvent les films. On coupe le méchant, non, il a 6 têtes. On coupe une tête, 2 sortes. On coupe toutes ses têtes. 2 têtes, je sorte encore. Tu arrives quelque part, tu veux seulement arranger. Tu fais quoi? Donc, tu arrives, tu dis, waouh. Parfois, tu prends ton argent. Tu arranges. Tu ne sais pas faire le mauvais cœur. Parce que tu sais que tu ne manques pas. Écoutez, l'onction de prospérité ne manque pas. Tu connais que là où j'ai pris, ça va encore venir. Vous voyez l'oreiller magique, non, le porte-monnaie magique. Les gens qui partent signer les pactes avec je ne sais quoi pour avoir le porte-monnaie magique, c'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont, ils ont en eux. Je vide mon compte aujourd'hui. Dans 3 jours, j'ai la même somme qui est revenue dans mon compte. Je ne vais pas vous dire le nom de faux, j'ai fait ça.
Après, ma soeur, il dit, avec Dieu, Seigneur, que, mais attends un peu. Souvent, dans son salaire, un client me contacte, j'ai dit que, pardon, rembourser son argent. Rembourser son argent. On fait le transfert. Bien, 1 minute 30 secondes plus tard, la même somme revient dans le compte par un autre client. Vous savez pourquoi je fais ça? Maintenant, je fais ça sans avoir peur. Pourquoi? Parce que je connais ce que je porte. Je connais qui je suis. Tant que vous n'êtes pas conscient, il y a les jours où vous allez rester comme ça, vous allez avoir peur. Parce que l'onction, ça ne marche pas avec la peur. Parfois, tu portes en portant tout l'argent comme ça là pour donner, pour acheter quelque chose. Quel esprit t'a dit achète ça? Tu le fais par la foi. Tu, en payant ta dîme, tu sors, tu dis que voilà, je paye, j'honore Seigneur ta parole. Je sais que tu ne mens pas. Je sais que c'est toi qui me donnes. Je sais que c'est toi. Un arbre planté au bord du ruisseau, ça c'est le psaume chapitre 1. Va lire ce psaume là, tu vas voir. Blessed is the man. Béni est l'homme qui ne marche pas à côté du menteur. C'est celui qui fait que tu oublies qui tu es. Il est comme un arbre planté au bord des eaux. Et il prospère et donne ses feuilles dans sa saison. Chaque jour qu'il me réveille, je dis que ma saison c'est aujourd'hui. Que l'arbre là donne les fruits aujourd'hui. Que today is the day. Vous devez savoir comment. Premièrement, tu sais qui tu es. Comment activer qui tu es. Tu vas commencer à voir le miracle. On va venir te proposer le porte-monnaie magique. Tu vas dire que non, je suis le porte-monnaie magique. Je suis le porte-monnaie magique. Ah. Vous ne connaissez pas qui vous êtes. C'est pour ça qu'on vous menace. C'est pour ça que vous passez à les petites sommes, vous pleurez. J'ai des problèmes de 100 000. Je vais faire comment pour payer? Ouais. 100 000. 1 million. Je reste comme ça là l'autre jour. Quelqu'un vient me faire une proposition de deal. Et la somme qu'il m'a donnée, il me dit, mais tu peux acheter ça. Il y a une maison qui est sortie ici là. Si tu achètes la maison, ça vient avec le terrain, une fois tout ça, en plein centre-ville. Quand il me donne la somme, je reste comme ça, je dis. Et moi, j'ai un slogan dans ma tête. Si quelqu'un vient me demander une somme qui est, même si elle paraît exorbitante pour moi pour l'instant, ça veut dire que la personne a vu en moi cet argent. C'est moi qui n'ai pas encore vu. Il me dit, voilà, ouais, il faut tel nombre de millions pour payer la maison-ci. C'est des centaines, hein. Je reste comme ça, je dis, mais... Il dit, ouais, si tu achètes ça... Donc, pour lui, quand il parlait, c'était genre, ouais, c'est dans un de tes comptes, tu vois, si tu fais seulement le virement, voilà. J'ai dit, mais... Je me suis pas fâchée. Après, dans la voiture, quand on rentrait, j'ai dit à mon compagnon que tu sais quoi, j'ai écrit un livre, tome 2. Comment avoir l'argent que les gens pensent que j'ai? Et quand les gens disent ça, ne dites plus, oh, les gens me demandent de l'argent. On dit que tu as l'argent, tu ne veux pas nous donner pourquoi. Non, les gens la prophétisent sur ta vie. Les gens la prophétisent sur ta vie. Tu n'avais pas seulement compris. Quelqu'un vient te dire, ouais, j'ai vu une maison de 500 000 euros. Si tu achètes la maison là, vraiment. Et toi, la période là, tu es en train de galérer pour avoir 500 euros pour faire quelque chose. Tu le regardes genre. Non, ma chérie. Non, 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 non. Ne te fâche pas avec lui. Il est en train de te montrer ce qui arrive. La prochaine fois, non, 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 ne dis pas que je n'ai pas où est l'argent là. Hein? Commence à assumer ce que les gens disent de toi. Tu es riche. Ah oui, oui, je ne manque pas. Je ne manque pas. C'est juste que mon argent, ce que tu me demandes là, ce n'est pas prévu dans mon argent pour ce mois. Ce n'est pas prévu. Ce n'est pas parce que j'ai l'argent qui avait sorti 200 000 pour te acheter ton truc, pour acheter ta voiture, pour acheter tes choses, non.
J'ai mes projets moi-même. Effectivement, Yann, il y a des gens qui te prennent l'argent, mais ça demande beaucoup de foi. Et pour oublier la dette, moi je dis toujours, si l'argent que la personne a m'a pris, si j'arrivais quelque part dans un taxi, j'oubliais mon porte-monnaie. Quelqu'un trouve, il trouvait 5 millions dedans. Il part avec mes 5 millions, mes 10 millions. Je n'allais pas mourir, non. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand tu penses comme ça, hein, tu te lèves le matin, pam, pam, pam. Oh, Rosa, tu as trouvé du travail. Ah, mais c'est super. Ce que j'ai dit là, hein. Si quelqu'un n'est pas sûr, si quelqu'un n'est pas choisi, quand il va venir ici, il sera comme le chien devant la télé. Et vous savez que moi, je ne parle pas pour votre approbation. Je ne parle pas pour que vous me disiez, oh, c'est bien. Ce n'est pas parce que vous approuvez ce que j'ai dit que c'est vrai. Je dis ce qui est et ce qui est vrai. Maintenant, les personnes appropriées vont prendre et vont aller, ça va les aider. Ce matin, j'ai vu une dame qui me suit depuis. Le premier message qu'elle m'a envoyé, c'était le 25 février. Et elle était vraiment... mal en point. Je lui ai fait un lavage. Elle a acheté un kit, un ou deux kits. La dîme de la femme, c'était souvent dans les 5 000 ou 20 000, je ne sais pas. Ce matin, je reste. Elle a envoyé la dîme le 1er avril. 34 000. On est le 14 avril. Ce matin, elle a encore envoyé 34 000. Donc, ça fait seulement en 2 semaines, cette femme a envoyé 68 000 francs de dîme. Ça veut dire que, si on fait le calcul, elle a eu au moins 680 000. Cette femme était à moins de 200 000 au mois. Et elle a plein d'autres audios en témoignage. Plein d'autres. Les audios, hein, vraiment, la reine. Je viens de faire j'ai fait tel kit. Regarde comment telle chose s'est passée. Merci. Je ne suis qu'un vaisseau. Un canal. Parce que moi-même, j'ai ma vie à vivre. Et ma vie, je la vis à 100 à l'heure. Maintenant, je vous ai toujours dit que si vous m'écoutez, vous êtes vraiment au sel, au niveau du sel. Si ma main n'a pas encore touché votre photo, je ne vous ai pas encore lavé. Ça ne peut pas être total dans votre vie. Je connais la bénédiction que je porte. Je connais ce que ça fait dans la vie des gens. Ce n'est pas moi qui dis, ce sont les gens qui me disent. Je ne peux pas vous dire le nombre de personnes que elles m'ont envoyé leur fille, celle qui était censée accoucher par césarienne. Et seulement laver la fille. Lave seulement ta fille qui est enceinte. Et lui dit que ne t'inquiète pas. Pas. Elle part, elle accouche normalement. Vous savez combien de personnes meurent au Cameroun par jour avec les accouchements par césarienne? Maintenant, si vous êtes venu ici, là, vous écoutez. Tout pour vous, c'est seulement que c'est une personne sur Facebook. Ah! Elle est seulement, c'est une femme sur Facebook qui explique comme ça là, non.
Je ne suis pas une femme comme les autres. Quand moi, j'ai toujours fait mes vidéos Facebook, j'ai toujours dit à Dieu que quelqu'un ne passe pas sur ma page, sa vie ne change pas. Que quelqu'un ne m'écoute pas et sa vie dans la journée ne change pas. Non. Que quand, dans la journée, quand tu fais ça et que tu veux back up, tu veux peut-être abandonner quelque chose. Tu te dis que non, la reine Jocelyne a dit dans la vidéo hier que ça te pousse. Ça te pousse, tu pars, tu fais plus. Oui. Oh, j'aime l'argent. C'est pour ça que l'argent m'aime. Je suis au Cameroun depuis quelques jours. Oui. J'aime l'argent. Même mes enfants connaissent qu'on met l'argent, mais mes enfants, je prends d'abord l'argent. Maintenant, je vous ai parlé de cette bénédiction et je vous ai dit ce que ça comporte. Ce n'est pas tout le monde qui va croire. Mais je sais qu'il y a des gens que quand vous allez tomber sur mes vidéos, c'est comme si votre peau, l'ancienne peau que vous avez, l'ancien vêtement que vous avez sur vous va tomber. Et le vrai vous va se réveiller. Ce vrai vous est indépendant. Écoutez-moi bien. Spirituellement, vous ne devez pas dépendre de quelqu'un. Votre truc que vous aimez toujours que wow. Vous savez que si vous m'appelez à minuit, je ne décroche pas. Je vous dis moi. Tu dois connaître que si j'ai un problème à minuit, je prends mon sel, je prends mon bâton de commandement, je prends mon chapelet, je prends ma Bible, je lis tel verset, tel verset, papa, je lance l'eau. Ça, telle chose disparaît. Parce que nous sommes les soldats. J'ai même encore vu un soldat venir pleurer. Aidez-moi. Le sel, c'est notre plus grand outil dans ce royaume. Le sel qu'on ne peut pas dans le avec là. Et c'est que vous êtes habitué, que vos pasteurs l'ont fait de telle façon. Tu n'es pas venu à la cellule de prière. Qui est ton ceci? Tu vas venir à l'église pourquoi? Ne vous connectez pas dans mes directs, ne regardez pas mes directs. Vous allez faire 5 jours sans m'écouter, votre tête va commencer que pas écouter ce qu'elle dit. Vous allez faire, j'ai fait 2 jours, j'ai pas fait les vidéos. Le nombre de messages que j'ai reçus. Maman, j'ai fait 1 jour sans t'écouter, que tu es où? Parce que dans la journée, quand vous marchez là, vous savez que je suis avec vous. Je suis à côté de vous, je marche avec vous. Quand tu vas abandonner quelque chose, tu dis, mais non, 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 non. Tu pousses. Tu obtiens. Vous devez être indépendant. Parce qu'au sommet là, tu ne peux pas dépendre de quelqu'un et tu arrives au sommet. Oublie. Tu ne peux pas. Ton compas, ta boussole doit venir de l'intérieur. Arrête ça, arrête ça. Va dans la ville là, déménage d'ici. Écoutez, en 6 mois, j'ai déménagé peut-être 4 fois. Je quitte de l'endroit-ci. Je double le loyer. Je pars. Je double encore le loyer. Après, j'arrive là-bas. Je vois le bailleur là-bas. Il reste fait un peu un genre. Son vampirisme là, ça m'attrape pas. On commence à avoir des problèmes. Et même que j'avais construit même 5 endroits en même temps. Tout ce que vous pensez à faire en un, faites ça même en 5. Une voiture, pourquoi avoir seulement une voiture? Quand tu as acheté ta petite voiture, on dit, hey, elle a acheté la voiture, enfin, hey, tu as gagné, tu as réussi ta vie. Tu ris seulement. Si vous saviez,
que je prévois acheter encore deux voitures cette année. On est déjà seulement en avril, tu as acheté une voiture. Ils sont contents. Ils ne savent pas que tu prévois encore une voiture avant juin. Et en septembre, tu prévois encore l'autre voiture. Pierrette, toujours, n'est-ce pas, tu es ici à Douala. Le jour où tu vas dire que tu veux venir chez moi, je ne vais pas te donner l'adresse. Si quelqu'un te montre comment venir chez moi, je vais gronder la personne. Les gens qui de France, ils qui du Canada, ils viennent me voir, d'Angleterre. Oui, ici au Cameroun, ils ne me voyaient pas. Yves Landry, c'est bien, comme tu me suis depuis. Bonjour la mère de Nicolas. Comment va Nicolas? Ce qu'on voit devant, on apprécie, ils ne savent pas. Les petites, petites concurrences. Hein? Moi, ma voiture dépasse pour elle. Hein? Non, 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 non. Tu vas acheter cinq voitures comme ce qu'ils disent pour leur faire la concurrence là. Cinq. Tu alignes les cinq voitures. Pam, 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 pam. Tu dis que yes. Vous parlez d'une voiture. Voilà cinq voitures. Vous parlez de la Cayenne. Cayenne, Range Rover. Alignez-moi cinq voitures là-bas. Bonjour à ceux qui sont en route. Parce qu'on vous prévient depuis. Voilà, il y a déjà 19 ans qui m'écoutaient. Bonjour Joyce. Ce que j'enseigne marche. J'ai mon petit frère de 17 ans. L'autre jour, il m'écrit. Il me dit qu'on paye la dîme comment? Que j'ai écouté ton direct. Ma mère m'a donné 10 000. Je paye la dîme comment? Je ris. Je dis que c'est bien. Il dit que là où tu avais dit qu'il faut déposer la main sur l'écran. Moi-même, j'ai déposé la main sur l'écran. Directement le soir, je rentre de l'école, ma mère me donne 10 000. Quand vos enfants vont mettre mes enseignements en pratique, vous allez voir. N'a jamais un message pour les parents. Beaucoup de vos enfants sont des stars dans l'âme. Malheureusement, vous les parents, vous les bloquez. Ok? Certains de vos enfants sont des footballeurs. Ils aiment le football. Certains acteurs. Certains veulent aller sur TikTok pour faire leurs vidéos. Et vous refusez. Et vous les aimez. Hein? Mais vous laissez vos peurs. Vous m'écoutez chaque jour avec vos enfants. Quand les enfants m'écoutent, ils veulent faire ce que je dis. Vous les bloquez. Arrêtez. Je ne suis pas appelée seulement pour les adultes. Bonjour Edwige. Trop de love. I love you too. Love you. Certains d'entre vous, vos garçons sont même déjà dans, ils ont 14, 15 ans. Ils sont vraiment dans un moment crucial de leur. Aidez-les. Croyez en eux. Et il y a peut-être 2 mois, le Seigneur m'a donné cette parole-ci. Il m'a dit, toutes ces personnes de la diaspora, vos enfants seront des millionnaires et milliardaires en euros. Tous les sacrifices que vous avez faits pour qu'ils aient les papiers, qu'ils n'aient pas de problème de nationalité, qu'ils n'aient pas tout ton... Tu vois, tu as quelque part, tu souffres tellement, tu as 4 boulots pour t'occuper de tes 5 enfants.
Dieu m'a dit de vous dire. C'est vrai que je, parfois, je ne prends vraiment pas ce message-là. Je ne porte pas trop devant. Ces enfants-là, ce sont les prochains Bill Gates. Et votre éthique de travail, vos enfants voient ça. Comment vous croyez, vous priez, vous jeûnez, vous... Et il y a des choses spirituelles que vous êtes en train de briser sur vous maintenant. Vous êtes en train de libérer la voie pour vos enfants. Tu vas voir dans 10 ans, tu vas ça, ton enfant va t'acheter même 4 voitures en une fois. Tellement il aura de l'argent. Et parfois ils vous disent, parfois ton fils te dit que maman, tu vas voir quand il va grandir et t'acheter beaucoup de voitures. Et vous ne croyez pas. Aidez ces enfants-là, je vous en prie. Pour certains d'entre vous, ça va demander que vous preniez votre argent, vous achetez un téléphone Android à cet enfant. Vous lui ouvrez un compte TikTok. Et vous le laissez faire ses vidéos. Laissez-le créer sa chaîne YouTube. Achetez-lui le trépied, le ring light, tous ces trucs-là. Laissez-le faire les vidéos. Dans 6 mois, tu vas voir comment on va inviter ton enfant à TF1 pour qu'il fasse son je sais pas, une interview. Parce que sa chaîne est passée de 1000 abonnés à 500 000 abonnés. Arrêtez de bloquer vos enfants. Vos enfants ne sont pas bêtes. Ils ont l'œil même plus que vous. Ils ont l'œil plus que vous. Parce qu'eux, ils croient encore. Vous, quand Dieu te fait une vision, tu te vois dans une grosse villa avec la piscine, 5 voitures, tu vas dire, hey! Hey, yeah! Mais ton fils, quand il voit ça, il se lève, il te dit que maman, on aura l'argent. Le lendemain, il se lève, il dit qu'il veut faire le e-commerce. Donc voilà, tu commences à dire non. Tu fais ce que tes parents t'ont fait là, tu vas te vouloir faire ça sur ton enfant. Ne soyez pas le Potiphar ou bien le... Ne soyez pas comme les frères de Joseph sur votre enfant. Je le dis encore, vos enfants sont les futurs milliardaires. En euros. Je pèse bien mes mots, je sais ce que j'ai dit. Vos enfants sont les futurs milliardaires en euros. Dans la prochaine génération, il y en a parmi vos enfants qui connaissent les crypto-monnaies là. L'enfant a 14 ans. Bien souvent, il te dit que maman, les bitcoins, les ceci. Tu dis que quoi? Il dit maman, les bitcoins. Les bitcoins, maman. Il dit que quoi? Écoutez vos enfants. Oh. Écoutez vos enfants. Oh. Le problème de l'Afrique, c'est que tu refuses trop de la connaissance. Pas d'abord à l'école. Pas à l'école. L'école. Même les blancs qui vous ont parti à l'école, là, vous avez vu la moyenne d'enfants. La moyenne des enfants là-bas en Europe, ils fonctionnent comment? Quand ils obtiennent le bac, après ils font ceci. Après, ça donne quoi? N'explique pas chercher un petit boulot quelque part, il fait. À bon entendeur. Certains disent, maman, je vais faire les cours de théâtre. Marie Vakuna, écoutez, je suis ici pour délivrer un message. Je ne suis pas là pour bagarrer avec vous. Tu as compris? Je ne suis pas là pour bagarrer avec vous. De toutes les façons, l'enfant est sorti de ton ventre, non? Est-ce que j'ai accouché ton enfant avec toi? Si l'enfant a l'argent demain, est-ce qu'il va me donner? Est-ce que tu vas juste m'envoyer 50 euros pour dire que c'est mon enfant qui a gagné ceci? Tu vas m'envoyer seul, non? Chacun porte sa part sur lui. Ok? Chacun fait pour lui. Voilà, mon fils vend ses habits trop petits sur Internet. Voilà, il a sa page YouTube et il travaille bien au collège. À 10 ans, ma fille connaissait déjà faire ses vidéos, éditer ses vidéos. J'ai créé sa page, je lui ai acheté les appareils, j'ai donné. À 7 ans, elle a trouvé le nom de sa page. Elle a dit, mais ce qu'elle veut faire. J'ai dit, ok, va faire alors.
savez pas que c'est vous-même qui avez bloqué, beaucoup d'entre vous, vous avez bloqué vos enfants. Vous n'avez jamais fait, tant qu'on fait même le truc de lavage ici, c'est maintenant que les parents commencent à envoyer les photos pour qu'on lave leurs enfants. Tu vois que ton enfant reste comme ça, là, il commence à marcher avec les amis de mauvaise compagnie, pourquoi? Ce n'est pas le hasard. Tu dois encourager ton enfant et à la partie spirituelle. Prenez les gels douche de vos enfants, là, vous mettez le sel dedans. Quand l'enfant n'est pas là, tu entres dans sa douche, tu fais comme un espion. Tu prends son, tu achètes Dove, non? Dove, c'est blanc, non? Tu prends le sel, tu mets dedans. Tu lis le psaume 35 sur ça. Tu tournes. Tu tournes. Tu prends le psaume 91. Avec le gel douche, il te protège. Il te protège contre tout mal. Tu repars encore en cachet. Tu déposes dans sa douche comme pian. Est-ce qu'on se lave, on met le gel douche dans la bouche? Parce que vous voulez dire, se laver avec le sel, il refuse, non? Et parfois, vous dites que oh, je veux pas que mon enfant, je veux pas que... Toutes les mauvaises choses que vous ne voulez pas que vos enfants voient en ligne là, vos enfants ont déjà vu. Vos enfants ont déjà vu. Un jour, j'ai eu une conversation ouverte avec j'avais ma fille et j'avais aussi deux autres enfants que je tenais. On a un peu parlé des trucs en ligne là, des trucs comme le sexe ouvertement. Les enfants là connaissent beaucoup de ces choses là-haut. Maintenant, soyez vrais avec vos enfants. Quand je prends mon enfant, je donne le matériel. Je lui dis que quand tu me vois en ligne, je fais quoi? Elle dit, tu es toujours en train de faire des vidéos, ou bien tu es en train de faire des audios, ou tu es en train de parler avec tes clients, ou tu es en train de... Je dis, ok. J'ai choisi. Je peux être en ligne en train de regarder les films toute la journée. Je peux être en ligne en train de regarder les films pornographiques. Elle sait ce que c'est que les films pornographiques. Vous serez surpris de savoir ce que vos enfants connaissent. Hein? Vos enfants connaissent beaucoup plus de trucs pornographiques que vous ne connaissez. Beaucoup. Vous-même, vous avez grandi, non? À quel âge vous avez commencé à regarder déjà les films, là? Vos parents ne savaient pas, vous saviez déjà, non? Maintenant, je raisonne avec mon enfant. Ce qui fait que quand je donne l'ordinateur à l'enfant après, et je montre, donner les outils. Certains, vous avez besoin de payer des formations. Payer des formations, allez sur... Il y a un site là, en ligne, là, où on achète les formations. Un site où tu peux trouver toutes les formations. Oh là là. Ça s'appelle Udemy. En anglais, c'est Udemy. Bon, pour le lavage, tu envoies la photo de ta personne, si c'est tes enfants, si c'est toi-même, photo, et puis le nom. Voilà. Et puis tu envoies ça. Bon, généralement, deux fois par semaine, on fait les lavages. Bon, le prochain lavage, c'est demain. Donc, tu peux aller sur Udemy, tu achètes une formation. C'est la formation du digital. Tu achètes ça pour ton enfant. Tu achètes le téléphone, tu lui donnes, il s'assoit, il regarde. Parce que beaucoup d'entre vos enfants, quand ils vont en ligne, ils veulent faire les choses, mais ils n'ont pas la bonne connaissance. Du coup, l'enfant va se retrouver en train de galérer, de ramer. J'ai pris 6 mois pour apprendre à éditer les vidéos. Quand je voulais que ma fille apprenne à éditer les vidéos, elle avait 10 ans. 10 ans et peut-être 2-3 mois. Ça, c'est quand le corona avait frappé, là. Ouais. Elle faisait beaucoup moins de 2. J'ai pris la formation, j'ai acheté la formation. J'ai donné. Elle s'est assise. Elle a regardé. En 4 jours, ma fille savait éditer les vidéos. 4 jours. Il y a des vidéos que... Si vous regardez sur ma page YouTube, c'est maintenant que j'ai arrêté d'éditer les vidéos parce que je n'ai plus le temps. Il y a des vidéos sur ma page que c'est ma fille. Elle vient, elle s'assoit, elle filme ma vidéo. Elle prend. Elle s'assoit sur son ordinateur, elle édite. On avait un accord, je lui donnais, je crois, 500 francs hein, ou 1000 francs par vidéo qu'elle éditait, qu'elle apprenait encore. Bon, après qu'elle est devenue experte, elle a commencé à vouloir me charger plus d'argent. J'ai dit, c'est bien, tu es bon élève, tu cherches l'argent comme ta mère. Elle vient comment me dire, oh, il faut monter l'argent, il faut que tu me payes 5000 par vidéo. Mais bon, ça c'est autre chose. Tu bloques les sites, ça c'est sûr.
Mais fonctionnez beaucoup avec vos enfants, avec la confiance. Parlez-leur. Quand tu donnes l'ordinateur à ton enfant, tu lui dis, j'investis en toi parce que je crois que ton potentiel peut donner quelque chose. Et ne mentez pas aux enfants. Soyez honnête avec vos enfants. Si tu mens et tu fais les sournoiseries, les cacheteries à ton enfant, ton enfant va commencer à te mentir. Prétendre, cacher les choses. Quand tu as découvert, ça te fait mal. Parce que toi-même, c'est ce que tu fais. Donc, vous voyez que l'enfant, c'est notre miroir. Ton enfant, c'est ton miroir. Dans le lavage, il y a le lavage de 50 euros. Il y a le lavage de fondation, il y a le lavage de déblocage, il y a le lavage du début du mois. Oui. Il y a même le désenvoûtement. Ma fille, c'est une businesswoman. Hein? Je n'aime pas quand ma fille achète ma chose. J'aime quand elle vend. Parce que quand elle vend bien. Elle peut te prendre un tout de 500 et pas vendre à 5 000. Même si tu as dû laisser tes enfants quelque part et tu as dû aller bosser, tu as dû aller en Europe pour trouver les papiers, maintenant ils sont arrivés, ça fait 10 ans. Et c'est un peu, tu as l'impression que c'est tard. Assois-toi avec les enfants, tu dis que la vie que vous vivez aujourd'hui, j'ai dû m'éloigner de vous. Ne croyez pas que je ne vous aimais pas. J'ai dû venir ici, m'asseoir pour chercher les papiers. Si tu t'es marié avec quelqu'un que tu n'aimais, tu dis que j'ai dû me marier avec quelqu'un que à l'époque je n'aimais pas. Parce que je devais avoir un titre de séjour pour faire que vous veniez ici. Parlez à vos enfants. Tu vois que l'enfant là, à 10 ans, il ne comprend pas. Les enfants voient les nouvelles là. Les enfants connaissent tout aujourd'hui. La télé là, tout, ça nous a déjà exposé. Si tu dois sortir pour aller travailler, tu laisses très souvent l'enfant seul. Tu dis quoi? Désolé. Quand tu vois sort comme ça et que tu pars vraiment travailler, il ne faut pas que tu laisses l'enfant, tu pars avec tes gars. Parce que l'enfant va connaître. Quand j'ai dit qu'il n'y a pas de travail, l'enfant, tu rentres, l'enfant dans ton téléphone, oh bébé, la nuit dernière était bien, oh, faut qu'on remette sa chérie. Oh. Tu as fait mentir à ton enfant. Et une relation construite sur le mensonge, je ne donne pas. S'il y a quelque chose qui a toujours fait la complicité entre moi et ma fille, c'est que tous les hauts et les bas que j'ai traversés, je me rappelle que j'ai tiré toujours l'enfant là derrière moi comme ça là. J'ai tiré toujours. Les soirs où je suis en train de travailler tard, je suis en train de faire la peinture. Parfois, elle ressortait sans dos quelque part avec le pinceau dans sa main parce qu'elle essayait de peindre un mur. Je sais pas, après, elle la trouve dans une chambre qu'elle s'est couchée au soleil en train de dormir. Et ça, je vous dis, je suis pas en train de raconter des balivernes. Ça, c'est vrai. Je mets le téléphone, c'est en train de jouer. Je suis en train d'écouter le livre audio Napoléon Hill, peut-être. Je suis en train de faire la peinture. Tu commences à 18h comme ça, et c'est que 18h, 23h peut-être, ou 1h. Elle ne vit pas avec moi pour l'instant. Donc, quand elle vient chez moi les week-ends ou bien pendant les vacances, ma fille peut rester sur l'ordinateur jusqu'à 3h. Et tu passes à tout moment. C'est pas quand tu passes, elle est en train de voir un truc qui n'est pas bien. Elle dit qu'il faut que je finisse de faire mon site internet. Elle construit son site internet, elle construit, elle fait, elle met ses articles sur ça, elle met. Elle dit voilà ce qu'elle veut faire, voilà. Parfois quand elle passe, je vois le truc qu'elle fait, je dis waouh. L'enfant, c'est là, tu me surprends. Elle dit mais c'est toi qui avais dit dans la vidéo, que tu avais dit qu'il faut qu'on poursuive nos rêves, non? Oui, moi je rêve de, je reste aussi la regarde, je dis waouh. Et je lui dis toujours que sa plus grande âme, ce sera sa force et sa détermination. Je lui dis, je vais travailler pour que ton père et moi travaillent pour te donner. On va payer ce qu'il faut payer. Mais le travail va venir de toi. Si tu veux les outils, s'il faut le téléphone, s'il faut le payer telle école, on va payer. Mais si on paye, tu ne travailles pas, tu vas échouer. Parfois, elle reste comme ça, elle se rappelle. Je lui dis, tu te rappelles quand tu étais en Angleterre, on souffrait? Tu te rappelles quand tu étais en Angleterre, on souffrait? Oui, maman. Ok. Tu vois comme ta mère est aujourd'hui, tu vois comme ton père est non. Parce que même son père a souffert bien même. Quand son père raconte sa part d'histoire, c'est une autre chapitre là-bas. Maintenant, quand tu es avec ton enfant, il y en a parmi vous, vous avez dû vous séparer de vos enfants pour longtemps. Là, actuellement, je vis pas avec ma fille. Parlez, vos enfants ne sont plus des enfants.
Parfois, ils croient que vous les avez abandonnés. Parfois, ils croient que vous ne les aimez pas. Je vous dis. Ça, c'est des choses que j'ai dû tellement dire avec ma fille. Parfois, quand elle vient me voir le week-end, je me dis, mais c'est bizarre. Pourquoi tu te comportes comme ça? Après, elle dit, maman, tu ne m'aimes pas. Je dis, mais comment ça? Qui t'a dit ça? Et c'est des petites peurs que ça fait comme ça. Ton enfant va devenir introverti. Peut-être c'est une telle personne qui lui a dit ça. Donc mettez cette éthique de travail dans vos enfants. Mettez la vérité dans vos enfants. Et laissez vos enfants suivre leur intuition. Maintenant, quand il faut corriger, je corrige bien dur. Moi, quand il faut taper, je ne blague pas. Hein. Elle connaît bien ça. J'avais hier dans un restaurant, une fille me servait. Elle était tellement gentille. Elle était 25 ans. Je lui demande à quel âge, elle me dit son âge. Je dis que ta mère a fait du bon travail. Elle rit, elle me dit pourquoi. Je dis que sans que ta mère t'a beaucoup tapé quand tu étais jeune. Elle dit, ma mère me tapait jusqu'à croyait qu'elle n'était pas son enfant. Cette fille servait comme si sa mère était en train de la regarder. Alors que sa mère était encore à la maison. Tu vois le genre de service que tu rends comme s'il n'y avait personne, comme c'était ta chose. Quand tu as cette éthique de travail, partout où tu vas prospérer. Votre problème, c'est que quand vous êtes au boulot, vous vous comportez comme si, ah, je travaille seulement pour lui, non. Tu arrives à la maison, c'est quand elle serait chez moi, c'est quand j'aurai ma part que je vais faire pour vous tromper. Parfois, tes enfants sont dans un autre pays, tu as l'enfant de quelqu'un à côté de toi. Tu négliges l'enfant. Tu ne le conseilles pas. Tu vois, il se comporte mal. Tu ne lui dis pas. En tout cas, tous mes enfants connaissent. J'ai seulement un, biologiquement, j'ai un enfant. Mais j'ai au moins 50 enfants. Ça ne va pas être dit. Ça va prendre le bâton et te foutre avec. Même si tu as 25 ans. La vérité a franchi. C'est la vérité. Mettez la vérité dans vous et dans vos enfants. Vous allez voir. Ton enfant va arriver quelque part, il va parler avec la tête haute. Il dit bonjour, on sent que non, quelqu'un a parlé. Mais c'est qui ça? C'est qui ça? La vérité. Ça fait que tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur de quelqu'un. Qui va te faire le chantage? À cause de ton argent que tu vas me donner. Je peux fabriquer l'argent moi-même. Quoi? Quoi d'autre? Des papiers. J'ai été sans papier. Tu es encore menacé de quoi? J'ai été sans, j'étais avec. Tu as menacé encore de quoi? J'ai beaucoup dit dans ce direct. Pour ceux qui sont intelligents, vous avez pu tirer beaucoup de choses de ce que j'ai dit. Je parle comme ça parce qu'on est en train d'aller quelque part. Vous êtes en train d'aller quelque part. Si vous ne connaissez pas, vous êtes parti quelque part. Toute destination va paraître comme si vous étiez arrivé. Merci le roi Fabrice. On va vous traiter n'importe comment. Donc vous devez... En fait, quand tu es choisi, c'est comme si tu dois jongler plusieurs balles. Je dois me discipliner, je dois être focus, je dois être droit, je dois être direct dans ce que je fais. Je dois... Donc, tu dois mettre tout en même temps. Je dois être spirituel, je dois me laver avec le sel, je dois prier, je dois donner aux orphelins. Donc, c'est tout un tas de choses. Quand tu commences à équilibrer les choses, là, tu commences à voir, ah mais attends, ça va, je tiens. Hey, je tiens. Mais je tiens. J'ai l'impression que j'ai 10 balles dans ma main et je suis sur un vélo qui est accroché sur une corde. Mais je roule. J'arrive à jongler tout ça et je roule. Je pédale et j'avance. Parce que les lois naturelles, les lois de l'univers, ce sont des choses que dans ta tête, si on t'explique comme ça, là, ça n'a pas de sens. J'ai peut-être 10 balles. Je suis sur une corde.
avec une roue et j'avance. Non. Bon, peut-être une balle encore, oui, mais 10 balles parce que tu l'as comme ça. Non, ce sont des trucs qui ne peuvent pas, ça ne s'additionne pas pour qu'on te comprenne. Le spirituel ne se comprend pas avec la tête. C'est la foi. Le spirituel est subtil, c'est quelque chose de très fin. C'est très fin, c'est tout petit comme ça là. Mais dès que tu saisis comment ça marche, tu ajoutes seulement. Ah, je paye maintenant ma dîme. Ouh, je donne aux orphelins tous les mois. Ah, quand je sens maintenant, je ne fonctionne pas à la fois. Ah oui, je viens de créer mon entreprise. Je dois avoir au moins 5 entreprises. Oh, d'accord, je dois prendre d'autres business en jeu. Ok, je dois innover. Ma vision doit s'ouvrir. Je dois multiplier mes idées par 100. Ok, au lieu de chercher à viser 10 000, je vise maintenant plutôt 500 000 euros. Donc, tout ça, c'est comme un éboulement de terrain. Ça va vite. Mais c'est là pour chambouler positivement ta vie. Tu avances mieux et rapidement. En anglais, on appelle ça quantum leap. Tu fais un saut quantique. Tes revenus augmentent, tes voitures augmentent, tout ça. Tu regardes 3 mois, tu dis waouh. En 3 mois, tu regardes ton compte bancaire. Avant, tu passais au moins 1 an avant d'avoir cette somme-là. Mais ça fait seulement 2 mois, tu as déjà ça. Parce que l'énergie, ton énergie, vous là, quand vous m'écoutez, votre énergie est en train de monter. Et la mienne aussi. Votre énergie est en train de s'étendre dans l'univers. Vous attirez plus. Vous captez plus. Bon, je sais qu'il y en a quand vous m'écoutez, c'est peut-être dans 6 mois que vous allez comprendre ce que j'ai dit. Vous allez entendre aujourd'hui, mais c'est dans 6 mois que vous allez comprendre. Il y en a, vous m'écoutez aujourd'hui et vous comprenez aujourd'hui ce que j'ai dit. Très peu d'entre vous, malheureusement. Mais je sais que tout se passe toujours dans le temps opportun. J'ai moi-même des choses que je dis souvent. C'est après 2 semaines, 1 mois, que ça devient cher en moi. On dit que le verbe s'est fait chair. C'est les choses que je dis, je prophétise, je dis. C'est après 1 mois, la chose commence à... Donc je vois ça dans ma main, je dis, wow, j'ai dit ça, ça fait 2 semaines. Donc respectez juste à quel niveau vous êtes. Maman. L'habit que je porte aujourd'hui, là, si elle laissait la robe aussi seulement, c'est que le décolleté de ça, elle était grave. Donc, on va gérer comme ça. Donc, je pense que c'est tout. Les enseignements sont revenus, ok. Peut-être ce soir, je vais faire une vidéo, peut-être demain. Yaoundé, je voulais venir à Yaoundé hier, je n'ai pas pu. Donc, je laisse beaucoup l'esprit me guider. Donc, si j'arrive à Yaoundé, je sais que c'est l'esprit qui va me guider. Et même les gens que je vais voir à Yaoundé, ce sont les gens que ce sera Dieu qui avait prévu. Parce que de moins en moins, je vois les gens physiquement et je consulte. Donc, c'est ça qu'il dit, vraiment, soyez, lavez-vous avec du sel. Écoutez beaucoup mes vidéos. Parce que beaucoup, tout ce que j'ai dans, là, je donne ici. Donc, quand si quelqu'un vient devant moi et il n'écoute pas mes vidéos, je saurai. Et déjà, on ne va même pas se voir. Maintenant, si tu dois d'abord écouter et tu fais, parce que je donne tellement de contenu, tellement. Mais vous n'écoutez pas, vous ne faites pas. J'ai une dame qui est venue d'Allemagne l'autre jour. Elle arrive, elle m'apporte une chaussure, pointure 40. Bon, je vais vous donner ma pointure, je ne donne pas ma pointure. Je dis, mais comment tu as su ma pointure? Elle me dit, mais j'écoutais dans tes vidéos. J'ai ri. J'ai dit, effectivement, la femme, si. Elle sait. Elle sait de quoi elle parle. Il y en a parmi vous que vous allez m'écouter, si bien que quand on va se voir, je vais seulement vous toucher. Et c'est tout. Ce n'est que mon toucher dont vous aviez besoin. Pas de parole, pas de trop de parole. Parce que je parle trop ici. Là. Quand on me voit physiquement, je ne parle pas trop, trop, trop. Hein. Je parle très peu pour une personne. Généralement, je parle pour un groupe de personnes.
Parce que quand c'est comme ça, là, l'énergie commune me donne des idées et ça me permet de parler dans vos situations. Donc, je vais essayer de faire une lecture d'énergie, peut-être ce soir ou demain. Parce que ça prend beaucoup d'énergie. Si je suis à bien remise, je vais vous faire ce que je fais souvent. Les gens donnent le nom et puis je dis ce que je vois, un truc comme ça. Je vais peut-être faire ça demain, ce soir ou demain. Selon la direction de l'esprit. Voilà. Donc, passez une superbe et belle journée. Au revoir.